Journal de bord, première journée à bord du Costa Mediterranea. C'est une croisière de 16 jours qui a quitté hier soir à La Romana, en République dominicaine. Et aujourd'hui, le premier arrêt, c'était à l'île de Catalina, tout juste à 30 minutes de La Romana. C'est un vrai petit coin de paradis pour ceux qui ont besoin de décrocher. Là-bas, on retrouve tout ce qu'il faut, le soleil, des chaises longues et la plage. Il y a même un service de bar pour ceux qui ont envie de prendre un bon cocktail bien froid sur la plage. Et on peut charger tout ça directement à notre chambre sur le bateau avec la clé qu'on nous donne qui débarre la porte de notre cabine. Et si vous aimez, mesdames, voir votre homme porter le Speedo, sachez qu'il y a une clientèle très européenne sur le bateau et vous risquez de voir quelques Speedo sur l'île de Catalina. Pour le reste de la journée, bien plus tard, c'est le gala du capitaine. Je vais essayer de me faire prendre en photo avec lui. Et ensuite, c'est le repas complet et tenue de gala est requise. Je vous laisse sur des images prises plus tôt cet après-midi. J'ai tenté ma chance dans la glissade qu'on retrouve sur le pont supérieur du navire.